Que la paix, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous avons besoin de permettre que nous puissions partager le banaïe. Et c'est pour ça que nous avons partagé le banaïe. Nous avons besoin de partager le valeur et de l'alité. Nous avons besoin de partager la présence de Moko na Moko, Kati na groupe. Topesi merci na motei na biso bambino wa ebaki na kulesa biso pasteur na biso abi na kulesa biso pendant semaine passée mobimba Nicolas 5e parole quelque biso mokolo ya lundi mercredi vendredi que le Seigneur Jésus-Christ azo lokumu apambola litea wa te kibiso na kati ya mitema na biso basantu nzamba za lokumu lelo tulingi kokoba na oza si les sept paroles de Jésus-Christ à la croix tokozonga simukie pour nous ramasser et nous avons la quatrième parole, nous allons continuer à enseigner à Bissot. Que le Seigneur nous bénisse. Nous avons dit que nous sommes pour que nous sommes en train de nous faire. Seigneur Jésus-Christ, nous sommes reconnaissants pour le souffle de vie, pour la grâce que tu nous accordes jusqu'à aujourd'hui. Et bien, nous ne te mets pas ta grâce, tu nous as donné 7 ans. Nous te recommandons 7 ans sous ta grâce. Nous allons parler Bissot, nous allons enseigner Bissot. Que ta grâce nous accompagne dans cet enseignement. Nous sommes tous à la musique dans le nom de Jésus, l'obé la biso, la combonaise. Amen. Nous allons nous rendre à Matthieu, chapitre 27, verset 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabakatani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Biso, nous allons partir à Nayango. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Tozawana. Batotel se soubi que tant to komi na ngonga 9e heure, Jésus s'écria. Yesu agangaki. Ok. Balobi te que Jésus cria, mais balobi que Jésus s'écria. Veut dire amigangaki et pas na yemoko. Agangaki et pas moutoute. Aganga qui est pandemami que il s'écrie donc Jésus s'écria donc surtout remplacer Jésus au YouTube parce que il s'écria donc Jésus aganga qui et pas nani et pas na yemoko par rapport à l'écriture donc il s'écria aganga qui est pas na yemoko donc ezana tina eza pour na pambate Jésus aza kuganga boy il s'écria ok toujours écriture moko oui comment on appelle contradictoire mais eza contradictoire t Hébreu chapitre 5, verset 7. Hébreu 5, verset 7. C'est lui, dans les jours de sa chair, et a présenté avec de grands cris et avec larmes de prières et de supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et a été exaucé à cause de sa piété. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, et a présenté avec des cris et avec des larmes, des prières, des supplications, celui qui pouvait les sauver de la mort. Ce qui est dans les jours de sa chair. C'est pour dire que avant Allah Tanzoto, il a existé, c'est un esprit. Mais où existait qui Nanzoto? Les jours de sa chair, il a 33 ans et demi. Il a 33 ans et demi. Donc, au jour de sa chair, c'est pour dire que Allah ta ki nzoto ki na se a mabele mais attention a exista avant la tanzoto wana mais abalobi abande ko bondela vers celui qui devait le sauver mais na écrit tout tanga ki na Matthieu babil se cria c'est pour dire kuna kuna bande ko ganga aga amiganga ke pa na yemo il se cria aganga ke pa na yemoko aganga ke pa mutute aganga ke pa na yemoko mais na Hébreux chapitre 5 Babi, il cria vers celui qui devait le sauver. Ils ont malheureusement la contradictoire. Na Matthieu, Babi, il s'écria donc à Gangaki et pas na Yemoko. Alors qu'il soumit pas na Yemoko. Mais, na Hébreux chapitre 5, verset 7, Abalobi, Azo Ganga vers celui qui devait le sauver. Awa, c'est comme si ils en ont des choses. Ils en ont des pensées différentes. Ils ont expliqué. Ils ont toujours expliqué ce qu'on. Mais Abatali Sissouabi, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec des grands cris
C'est pour dire que tant que nous avons un gang à Nekoulousou, on a maté le but qu'il se cria. Mais avant le but, il criait vers celui qui devait le sauver. Nous devons tout expliquer. Et il a été exaucé à cause de la piété. Nabandé Libabi, avec des grands cris et larmes de prières et de supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. C'est pour dire que pendant que Christ criait, pendant que Christ priait, Abanda qui consambela, enfin que Nzambe, tout le Père, Akangolaye Naliwa. Moni, Akangolaye Naliwa. Mais vous remarquez, au terre azolo babouarbi, et a été exaucé à cause de sa piété. Donc, Azalaki exaucé à cause de sa piété. C'est pour dire que Jésus, en priant et en suppliant, il avait besoin. Babi qui s'est naliwa. Babi qui s'est naliwa. Akoufate doba sauver naliwa. Omoni, mais il y a zolo bake, Azalaki exaucé. Hein? Si koyo, ce qui est au tal nabomoto boye, il était mort. Pendant 3 jours. Mais tant que a été exaucé à cause de sa piété, c'est pour dire que ba cri na ye, ba prière na ye, zala ki exaucé. Exaucement, on est et on a résurrection. C'est pour dire que bien que akoufa ki, mais le sambo na ye, zala ki exaucé, après sa mort, quant à la chair, il sera ressuscité. Ouais, c'est ça l'exaucement de sa prière. Il sera exaucé. La Bible dit que à cause de sa piété. C'est pour dire que abanda ko bondela, n'étant azo bondela nzambe donc tout le monde azo ganga ne kulusu li prier afin que aza l'exaucé naliwa. Donc akangola manaliwa. Oui, il a été exaucé atakufa ki kata la chair, mais à cause quoi? C'est ça son exaucement, il sera ressuscité. La résurrection de Jésus est un exaucement na ba prière nyonso oyé asala ki nda koza l'exaucer akokango la mana yango yango en passant na koyebisa na libota na nzambe oyé nyonso tambwa na kata piété komitungisa te demeure toujours dans la vie de prière, demeure dans la supplication liboso ya nzambe, prie devant le Seigneur, nzambe ko exaucer yo apparemment devant les hommes po batamuki baloba ke akufa po batamuki like il était mort. Mais il était exaucé, Azaki ressuscité. C'est pour te dire que si tu marches dans la vie de la piété, ta prière sera exaucée, tes supplications seront exaucées, tes cris devant Dieu seront exaucés. Oyo ekofi na kata vie na yo, eko c'est quoi? Si ta santé est morte aujourd'hui, demeure dans la vie de la piété, continue de prier et ta santé sera ressuscitée, sera veut dire que tu seras guéri. Même si ton mariage était mort, demeure dans la vie de la piété, demeure dans la vie de la prière, ton mariage sera ressuscité. Tes relations détruites, mortes seront ressuscitées. Tes affaires, oh ekufa, et simba li susute, ekuba na kose kwa, une bonne vie, oh zaka na ngukala, oh ezali susu lelote, demeure seulement dans la vie de la piété, demeure dans la vie de la prière, nzambe ako exaucer yo. Pe biloko ekufa ki na kata vie na yo ko sekwa ba relation ya malamu zalaki na ngo promotion musala ba voyage bandai ko sala baby komi tungisa te toi demeure seulement dans la vie de la piété, dans la vie de la prière et le Seigneur t'exaucera pe ko mona ke nyoso ekuyeba na kubonga na kata vie na yo. Mais ceux qui vivent à piété kati noza li susute, rentre auprès du Seigneur, prie le Seigneur, demande la faveur, demande la grâce de Dieu. Le Seigneur te fera grâce, il te relèvera et il te restaurera. Par Bible le dit, lorsque nous confessons nos péchés devant lui, il est juste et fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier de toutes nos suyères. Bible le dit sous que rien n'est reçu à celui qui a cette transgression, mais l'Éternel Dieu fait grâce à celui qui les avoue et les délaisse. Que le Seigneur nous bénisse. Nazuki nakata lité nangai. Namukanda ya matié esika totangi. Bayebisi biso ke Jésus s'écria agangaki magangaki panani agangaki pana yemoko donc agangi Jésus s'écria donc ami gangi pana yemoko. C'est pour dire que mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné wana et cela qui yemoko toi ce qui na kati na yemoko. Mais soke na Hébreux chapitre 5 verset 7 on a dit que il priait donc na bawata de ce qui abandait ko bonde le pas mutu mususu to to ba ke et cela qui mutu mususu te. Parce que quand Jésus-Christ marchait, yenda zalaki nzambe oyo alata kinzoto quand il marchait. Toko talisa yango na kati ya makomi. Toko lakisa yango
nakati ya makumi ke le Seigneur Jésus Christ nous bénisse tous. Oko remarquer mukolo ya baptême ya Jésus tant Yesu azokota nakati ya mai bilobi ke le Saint Esprit était descendu sur lui na sous forme ya colombe tant moli mosantu akitili kolona ye Bible zolo bakè mungongo moko eyoka maki zoyoka moli mosantu akitili kolona ye batu bamoni moli mosantu Matthieu chapitre 3 verset tobana verset 15 à 17. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus y était baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Normalement, il fallait que pour Bible zo baké voix ezoyo kanana likolo voix zo bana likolo normalement mungongo il fallait que loba c'est lui là et mon fils bien-aimé à qui j'ai mis mon affection mais awa mungongo zo baké c'est lui-ci et mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. C'est pour dire que entre les pères et les fils distance ezala kité bazala ke sika moko amoni ce qui le fils ezala ki mbabi ke mungongo zo kanana likolo ce qui le fils ezala ki musika Mungongo lingalo bake c'est lui là et mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Mais ah mungongo zolo bake c'est lui-ci et mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. C'est pour dire que na fils na père bazala ki na distance te bazala ki sika moko. D'ailleurs nous disons que cette voix oye banda ki koloba et banda koloba dans le corps du fils. Tomoni banda koloba dans le corps du fils. Parce que l'esprit ouzo kitali kolona na sous forme na colombe wana mais c'est Dieu lui-même c'est le père. Mais vous remarquez na ba filme au total aka il faut faire beaucoup trop d'attention. Voilà pourquoi na ndenge mabete na zaka na réserve ya kotala ba filme mingi religieux na zaka na ba réserve mingi kotala ba filme religieux wana parce que na kata ba filme wana ba bakisaka biloko ebele. Na opes exemple na filme ya Moïse Natala. Vous remarquez que Moïse, quand il est en Égypte, il a dit que Pharaon a été en Égypte. Vous remarquez que quand Moïse a fait un miracle, Pharaon a dit que Moïse a fait un miracle, il a dit que Moïse a fait un film. Mais il a dit que l'écriture a fait un film. Pourquoi? Vous remarquez que quand la colombe était descendue sur le Seigneur, vous remarquez que na filme sokota na filme tant colombe qui tracir le Seigneur ou remarquer que colombe wana après un certain temps a pumbwa kakei na filme za bongo tant colombe qui tracir le Seigneur na filme akitina lipeka na ya vandi après un certain temps colombe pumbwe akena e nous disons que colombe tangwa kita colombe kenda lisusute parce que Jésus c'est lui qui est la demeure du colombe la demeure de l'esprit. La Bible dit que Dieu est esprit, la demeure de Dieu. La colombe a moninda kunae akokende lisusu wapi. Azashwa okendete, potolo bake, l'esprit qui se mouvait au-dessus des eaux, bende koulukande ma belé. Hein? Yoto lotasa ki nzambe na sena lesa tika laka komone sika kouvanda te, azwaka ma belé te. Ma belé bende koulukande, c'est tout un homme, c'était Jésus. Tant Jésus a zoubi manakata maï. Ne colombe aïe, cela veut dire nzamba aïe, à lui habitation, si place n'est à couvanda. Colossiens 2:9, à lui habiter corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est pour dire que colombe kenda te, moulimo kenda souzoute, parce que nda kunende yewana, ne avanda na kata nzoto wana. Que le Seigneur nous bénisse. Mais remarquez ce qui se passe. Notre problème est que il se cria, a ganga pa moutoute, a ganga ne pa na yemoko. Moni, remarquez ce qui se passe. Awa ba trinitaire tango bazo mona boye ba trinitaire bazo lobake banzambe bazalaka misatu biso tolobike banzambe bazalaka misatu te nzambe azalaka moko omoni nzambe azalaka moko s'il vous plaît na luka écriture moko po e mema biso na explication eloko parce que soki omoni eloko moko et salami lelo luka yango na ombre okomona ngwe se salama quelque part
Et le gros salam m'a batté ma Jésus, c'est salama. Néhémie chapitre 9, verset 13. Néhémie chapitre 9, verset 13, la Bible dit, tu descendis sur la montagne de Sinaï, tu leur parlas du haut des cieux, et tu leur donna des ordonnances justes, des lois, des vérités, des préceptes et des commandements excellents. Yo quand Néhémie a zo loba, Néhémie a zo répété makambo et lekaka na Sinaï. Alobi ke yo nzambe, okitaka likolo ya ngomba ya Sinaï, mais ozo lobela batu na likolo. T'as la phénomène. Batu baso mona montagne. Nzamba kiti likolo montagne. Pour ça que Moïse, que le troisième jour, je descendrai sur la montagne. Effectivement, nzamba kitaki likolo ya montagne. Tant nzamba kiti likolo ya montagne, batu ba mona benda ba moto, ba fanfare, zo beta. Mais Néhémie zo bakse lo koma bi ke ti ete descendi sur la montagne, mais ti l'air par là. Omoni? Tu descendis sur la montagne du Sinaï, tu leur parlas du haut des cieux. Nzamba kiti kola ngomba. Batu bazo mona nzamba kiti kola ngomba, yeye likola ngomba, mais azolo basko na likolo. C'est ce qui s'était passé le jour du baptême de notre Seigneur Jésus. Tomoni kolombe kiti kolomba là c'est l'esprit. Kobosa na te que l'esprit za la nzambe ye moko, la Bible dit Dieu est esprit. C'est pour dire que cette colombe là c'était Dieu lui-même. Wazo se tabernacle na kati ya corps ya fils. Ah, tous à Jésus awa le fils, tous à Colombo wana kita comme le père, wazo vanda na kati ya le fils. Mais akiti na kati ya fils, mais azo loba na likolo. C'est ce qui s'était passé à Sinaï, akiti likolo ngomba, azo loba likolo Sinaï, eza etonate. Ngomba eza la rapé image à mutu. Ngomba na makomi etale sa rapé mutu, pour ni marqué Jésus nenga zalaki wana, alaki ngomba, écriture ezali. Psaume chapitre 133. Tobanina verset 1, Tokiti, cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères et des mères ensemble. C'est comme de l'huile précieuse qui répandit sur la tête, descend, sur la barbe d'Aaron qui descend sur les bords de ses vêtements. Verset 3. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Donc, verset 2, na verset 3, et c'est là que nous avons dit que nous avons deux formes différentes. Hein? L'huile est comparable à la rosée. Aaron est comparable à la montagne. Ce qui est comparable à la montagne, le véritable Aaron qui est le véritable souverain sacrificateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oui, Jésus est le véritable souverain sacrificateur. C'est lui le véritable Aaron. C'est pour dire que Jésus aussi était toute une montagne. Jésus était toute une montagne au père akita ki likolo na ye mais azolobela bango lisusu de haut des cieux. Omoni azolobela bango de haut des cieux, c'est pour dire que tant ozomona Jésus balobi que il s'écria, cela veut dire aganga ke pa na ye moko, parce que Jésus lokola nzambe, attention, akuluka sekure pa mutu ta kuluka sekure pa na ye moko. Tozwi Colossiens chapitre 2 verset 9. Colossiens chapitre 2 verset 9, la Bible nous dit ceci: car à lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est pour dire que soba lobi toute la plénitude de la divinité, c'est pour dire que libanda naye atamwanda mbuya divinité zate. S'il vous plaît, babi en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est pour dire que quand Jésus marchait, yende nzambe, donc katina yende nzambe azalaki. C'est pour dire que litondi nyonso ya bonzambe yaki na kata Yesu. En dehors de Jésus, oko retrouver ata parti ya divinité moko libanda te. Donc bonzambe nyonso ezalaki na kati ya Jésus. Voilà pourquoi tango mono bi ke il s'écria. Cela veut dire quand Jésus marchait, je suis dans le Père et le Père est à moi. Tant que le il s'écria, c'est pour dire que Kriwana, Wazoganga, Azoganga, Opa Mutu Mususute, Ezande Nzoto, Ouezekina Libanda, Ezoluka Sekure Pa Molimo Azalaki Nakati. C'est le Fils, Ndazoluka le Sekure et pas ya Père. Moni? C'est le secours ndazo lukali sungi et pas ya papa. Nde yango ko remarqué na Hébreux chapitre 5 verset 7. Babi, il a été exaucé à cause de sa piété. Exaucement wana, c'est ça l'esprit wa ko ressusciter le corps, hein? C'est ça la résurrection de Christ. Hein? Christ a la ressuscité à cause de sa
piété, que le Seigneur nous bénisse. Ok. Tozongi soko na sen alliance, toki neko démontré sous eloko o porte bi que soko mon eloko na nouvelle alliance. Luka wana sen alliance soko mona yango tozongi na sen alliance. Tozala mukanda ya Exode. Tozala mukanda Exode chapitre 34. Tobandi na verset 1. L'Éternel dit à Moïse, taille des tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois près de bonne heure et tu monteras de le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi et que personne ne paraisse sur toute la montagne, et même que ni brebis ni bœufs ne paraissent près de cette montagne. Moïse tailla des tables de pierre comme les premières. Il s'éleva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné, et il prit dans sa main les deux tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée et c'était auprès de lui. S'il vous plaît, oui. L'Éternel descendit dans une nuée, c'était là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel, verset 6. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, là la colère riche à bonté et riche à bonté. Verset 6. Pour Yahundez Ali, Mama Nalikambuna Bishop. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, là à la colère et là à la colère riche à bonté. Nazui, verset 33, s'il vous plaît. Nazui, verset 33, Nabandi, na chapitre 33, Nabandi, na verset 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma gloire et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur les rochers. Tosimbiango, tokotike loko wanate. Ce n'est pas pour rien, Zambazo Lobayango. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un cré du rocher et je te couvrirai de ma main. Bon, Nasuki Wana, pour on a mandé à Luka, Nazuango, que le Seigneur bénisse. Remarquez, Moïse a dit n'a pas sa mon en Zambé. Nzamba a dit Moïse que personne ne peut me voir et vivre. Wana, Tozana, Exode. 38. Il n'a pas ça à mon Nzambe. So, na verset 21, Zambalobine l'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Qui te tiendra sur les rochers? C'est pour dire que pour mon Nzambe, il faut ça na un lieu près de l'Éternel. Lianweza près de l'Éternel, c'est un rocher. C'est pour dire que pour mon Nzambe, tu dois être dans un lieu que Dieu lui-même a indiqué, que l'Éternel lui-même a indiqué. Vous voyez, mais ce que ça lui colloie, et si on a indiqué, tu ne verras pas Dieu. Voilà pourquoi plusieurs personnes prient aujourd'hui, ils ne verront pas Dieu parce que si on a indiqué, il faut prier dans les liens que Dieu a indiqué. Si tu pries dans les liens que Dieu lui-même a indiqué, tu seras sauvé, tu seras exaucé et tu verras Dieu. Or, les liens que Dieu a indiqué, c'est quoi? C'est qui? Matthieu 17, la transfiguration. Quand l'Éternel était, Jésus s'était manifesté dans sa gloire. Élie, Moïse, Babimi. Pierre a le bikito tonga trois tentes. Moko ya yo, moko ya Élie, moko ya Moïse. Mungongwe bimie lobi, voici mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. C'est pour dire que n'écoutez pas, ce n'est plus le temps d'Élie, ce n'est plus le temps de Moïse, mais c'est le temps du fils de Jésus. Écoutez-le. Hébreux chapitre 1, qui après avoir parlé à nos pères par plusieurs manières, par des prophètes, Dieu, dans ces temps de la fin, nous a parlé par les fils. C'est pour dire que les liens indiqués aujourd'hui, c'est le fils, parce que n'oubliez pas, selon les livres d'Hébreux,
Tozana mukanda ya Hébreu, selon le livre d'Hébreu. Non. 1 Corinthiens, chapitre. Selon 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre combien? Les écritures ont été malamu. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset. Non, non, non. S'il vous plaît. Faisala bolimbisa. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 4. Et qu'ils ont tous bu les mêmes breuvages spirituels, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. C'est pour dire que pour mon anzambe lelo, il faut zala likolo ya lié oza pembeni. Or, le lié oza pembeni, c'est les rochers. Or, les rochers, c'est Christ. Vous voyez? C'est pour dire que ce qu'on a nakata Christ, nous avons l'éternel. Mais ce qu'on a nakata Christ était, au a l'éternel était. Vous voyez? Or, Christ, donc c'est en Jésus. C'est pour dire que Moïse, pour mon anzambe, il fallait qu'il aza la likolo ya rocher. C'est rocher, nde ko pesa yo accès à komona nzambe. Mais ce qu'on a likolo ya rocher, te, moi, au mon anzambe, exacte. Vous voyez? Awa rocher, zo joué rôle ya sycomore. Oya zo permettre na zache à mon anzambe. Ici, le chemin par lequel Oyo Moïse, c'est là qui a mon anzambe, c'était le rocher. Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité, la vie. Il faut être en Jésus, il faut être dans le Fils pour voir le Père. Personne ne peut venir au Père que par moi. C'est pour dire que pour voir le Père, pour voir l'éternel, il faut aller sur les rochers. Or, les rochers, c'est un fils, les rochers, c'est un homme, les rochers, c'est Jésus. La Bible dit, aujourd'hui, nous ne connaissons personne sur la chair. Ce qui toyeba qui Jésus na nzoto, le loto yebie sou na nzoto te, aujourd'hui, Jésus, Christ, c'est l'enseignement. Christ, c'est la saine doctrine. C'est pour dire que les liés près de l'éternel, où ils ont permettre nabatu, ba mon anzambe, c'est la saine doctrine aujourd'hui. Yango tourbi ke ebele bazo sambela, nabisika ou nzamba zalite, nabisika ou nzamba la kisite, bakoti kala komon anzambe te. Pona komon anzambe, il faut zala nakatia libanga. Or, Libanga, c'est Christ. Or, aujourd'hui, Christ, c'est la doctrine. Omoni, c'est la doctrine prêchée par les apôtres. Si vous avez la doctrine, vous avez la doctrine. Mais si vous avez la doctrine, vous avez la doctrine. Vous avez la doctrine. Que le Seigneur bénisse. Déjà, chapitre 1, puis chapitre 1, verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu, celui qui demeure dans cette doctrine a le Père. Et les fils. C'est pour dire qu'aujourd'hui, pour Nakumon Nzambe, tu dois rester dans les liens que Dieu a indiqués. Ces liens-là, c'est les rochers. C'est pour dire que les rochers, c'est tout un fondement. Cela veut dire que les rochers, c'est la saine doctrine. Les rochers, c'est l'enseignement. Les rochers, c'est la parole. Moutouza Nakata Liloba, Oyo Epesami Nzambe Yemoko, Nakumon Nzambe. Or, Liloba Yango, ce qui tokei na mukanda ya Jean chapitre 17 verset 20 lobi, ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Leur parole ici, c'est leur prédication. Ici, le Seigneur priait pour les apôtres, mais tant que bon de la pour les apôtres abonde la pe pour na biso. Pour le bien, on a bon de la carte pour mais on a bon de la carte pour la bango, c'est la vie de la carte pour la bango. Batongo, on a bon de la carte bango, la bango. Voilà pourquoi tu dois être na esengo, okumi sanzambe, oza na confiance, parce que Christ a bon de la carte pour la prière à Christ, c'est la carte pour la carte. Prière à Christ, c'est la carte pour la carte pour la carte. Paul va dire abattez la bango. C'est pour dire que tu es sous la protection de Dieu par rapport à la prière de Jean 17. Voilà pourquoi je vais te dire que tu dois prier. Mais Sengelo Yebake, et le sambonom te batte la gaute, mais c'est la prière de Christ qui te protège. Attention, tu dois prier. Tu dois prier. Tu dois prier, tu dois prier, tu dois prier. Parce que ça n'a pas de doctrine diabolique et bimale que au Christ abonde la pona biso. Cette doctrine est satanique. Autogénéte, Christ a généré pour Nabiso, c'est diabolique. Frère Pierre a dit que j'ai été dans des gènes multipliés, j'ai été dans des prières, dans des gènes. Nakene, on a pour notre talisake, Libanga ou Sengeli, Ozala, Likolo, Nayango, le Ponzamba, exaucé yo,
C'est tout un homme. C'est Christ aujourd'hui, c'est la saine et doctrine. Si tu es dans la doctrine des apôtres, okomona nzambe. Mais ceux qui ont dans la doctrine des apôtres, okomona nzambe. Voilà pourquoi si quand nous faisons ce qu'il y a ensemble la thé, ce qu'on faisait aussi ensemble la thé, ils ont quoi les lots. Namoni bande comment bah yena bah photo, bah tiens bah photo, bah tiens photo moko ya prophète na bango, bah tiens prophète mususu ya soi-disant Jésus, hein? Naloba bien soi-disant Jésus. Pour ils allaient nanguer sur tes ailes libanais moko boye, à tourner film na yé, ils allaient quoi la yopo ko tourner film à Jésus, soi-disant Jésus. Ça n'a rien à voir na bonzambe. Pourquoi? Cette doctrine-là est diabolique. On remarque que Marie, ou Vandana Jésus, ou Bota Jésus, ou Ange Abimé, la Lobé, là, est concernant Jésus. Mais, à Vandana Jésus pendant 33 ans et demi, Jésus a koufi. Moukolo Jésus a sekoui, maman ya mouana, mouta bota mouana. A telemi na, na tombe azo lela, tango azo lela, Jésus a bimélié. Là, on a pris combien de jours? 3 ans, c'est 3 jours seulement. Aïe bien le sous-souté. Abe a canissé, abe a canissé jardinier. A tout nié, femme, que cherche-t-il? Yalobi, Seigneur, ceux qui ont de moutou aux yeux, l'accent de ce côté qui cornaille, n'a qu'une de cobomba. 3 jours seulement, à Bossanier. Bongo biso auto sali 2021. Toye belonginae. Mais pour que à reconnaître que c'était le Seigneur a bengié na kombo na étant a bengié Marie a yo qui voit na comprendre que c'est le Seigneur. C'est pour dire que aujourd'hui potoyé banzambe c'est par la voix, ce n'est pas par la photo, c'est par la voix. Or la voix c'est la prédication de l'évangile, vous voyez? C'est par la prédication de toyé banzambe. C'est par la prédication. Nanzela ba photo te, c'est par la prédication. Kukamata photo ya Yesu, ceux qui soit disant Yesu a filmé ko tiana ndaku, c'est de l'idolâtrie pure et simple. Soko kufi bongo porte li felo, ezaya kufungwa ba pona yoke li felo. Jésus avant dana ba ekoli, pendant 3 ans et demi, a sali ba miracle, a sekusi ba kufi, a sali ba miracle, mais tango a kufi a sekui na chemin de maïs. À Tambola, on a des disciples. Mais, Mouto, on a un miracle. Il y a un Tambola, on a un miracle. Il y 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 a un miracle. Tiba koti na katandaku. Po ba yeba ke c'était le Seigneur, il fallait qu'il soit lipa. Tango a bouki lipa, ne ba yeko yeba ke c'était le Seigneur. C'est pour dire que le pain, c'est ça les écritures. Rompre les pains, c'est ça, interpréter les écritures. Tant que vous rompre les pains, ça veut dire que interpréter les écritures. Ah, c'est le Seigneur. C'est pour dire que toye bakanzambe lorsque la prédication est prêchée. Yango bana basa Jérusalem. Batouni silamit. Nin yango mobali na yo azana yango okesana batou moussous. Abando décrire. Mon bien-aimé est, mon bien-aimé est, mon bien-aimé est, mon bien-aimé est. Tant qu'on a décrit, bon, on débat dans le Jérusalem, bazo yé, basiko, Salomon, Nanzela, Maloba, Silamite. Or, Silamite aujourd'hui représente aussi l'église. Dans quatre églises, nous avons le ministère de la parole. Quand le ministère de la parole parle, nous sommes tous mon ensemble. Que le Seigneur nous bénisse. Ok. Tous les gens qui ont été à l'école, que le Seigneur nous bénisse. Ok, tozongi sikoyo na Exode verset 6, 34 verset 6, 34 verset 6, na bandika na verset 35. Remarquez ce qui se passe. Remarquez ce qui se passe. Olimbisi. Ok. Remarquez, l'Éternel descendit dans une nuée. S'éteint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Verset 6. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria. L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, là la colère, riche à beauté et riche à fidélité. Awanzambaza kumi lobela. Mais avant Nzambe ami lobela, ami gange pa na yemoko, premièrement il doit descendre dans une nuée. Attention, premièrement, il faut nzamba kita na kata niwe. So kia kiti na kata niwe te, akomi ganga te. Babi, l'Éternel descendit dans une niwe. Akita ki na kata niwe. Nde na kata niwe wana. Nde abandi komi lobela. Abandi komi ganga.
et pas na yemoko. L'Éternel, les gens comme demande ça comme kumi ça, yemoko. L'Éternel, omoni. Dieu miséricordieux et compatissant, là la colère, riche à bonté. Que le Seigneur nous bénisse. Moïse avait besoin de voir Dieu. Moïse a dit qu'il n'y a pas de Nzambe. Nzambe, personne ne peut me voir et vivre. Mais il y a un peu de rocher, t'expliquer rocher. Mais tant que nous avons dit qu'il n'y a pas de rocher, nous avons dit qu'il n'y a pas de rocher. Mais pour que Moïse, Nzambe, qu'il n'y a pas de rocher, l'Éternel était descendu dans une nuée. Tant que nous avons dit qu'il n'y a pas de rocher, nous avons dit qu'il n'y a pas de rocher. L'Éternel banda komi lobela wapi na kati ya niwe. Omoni Moïse en vérité amona kinzambete en vérité il avait vu la niwe parce que la Bible dit que l'Éternel était dans une niwe. C'est pour dire que Moïse avait vu la niwe. Yango to lobaka ke attention on a aussi mbeza aspect. Yango to lobaka ke quand Jésus était venu sur la terre, c'était Dieu qui était dans une nuée. Quand il marchait, en vérité, Batuba mona kinzambe, mais mona kinzambe, attention, c'est un aspect. Batuba mona kinzambe, mais mona kinzambe, c'est que des aspects. Parce que en vérité, Dieu, ce n'était pas cette chair, mais Dieu, c'était la plénitude qui était dans ses corps. Moni, le londe tozo mona nzambe, tozo mona ye, nanzela litea. Parce que n'oubliez pas que le corps de Jésus, c'était tout un vêtement, c'était tout un voile qui cachait Dieu. Mais à la croix, quand ce corps a été déchiré, le jour de la Pentecôte, l'autre monde a nzambé, nanzela litea. Que le Seigneur nous bénisse. Nazoui na kata litea, nanakangi parenthèse. Na le biboye, pour Moïse a mon nzambé, nzambé, il fallait kita na kata niwe. Nzambe abandiko ganga, abandiko mi gange pa na ye moko, l'Éternel, quand il était descendu dans la niwe. Mais quand akita kino na kata niwe te, abandiko mi gange pa na ete. Il fallait qu'akita premièrement dans la niwe, le deuxièmement abandiko mi ganga. Alors, cherchons maintenant à comprendre, au moins, hein? Remarquez. Alobi, alina posa mona nzambe. Nzambe alobi, okomona ngai, mais akiti na kata niwe. Donc on a deux temps. Temps ya liboso, c'est pour dire que Nzambe azala ka esprit. Nazo kota na kata niwe. Or tango Moïse azana posa mona Nzambe, Nzambe azo mona te Nzambe azin invisible, c'est le temps de la Sainte Alliance. Wana Nzambe azala ki invisible, abanda ko mona na te, peuple azina posa ko mona e. Mais tango Nzambe azo kota na kati ya na kata niwe, attention, là c'est le temps de la grâce. Batuba moni nzambe, attention, na expliquer ce qu'on niwe. Niwe zani. Po ba mona nzambe, il faut nzamba kitarakata niwe. Tozwi mukanda ya psaume. Tozwi mukanda ya psaume. Psaume chapitre 104. Psaume chapitre 104. Tobandi na verset 8, verset 3. Nabana verset 2. Nabana na verset 1. Mon âme bénit l'Éternel. L'Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Verset 2. Il s'enveloppe de lumière comme des manteaux. Il étend les cieux comme un pavillon. Verset 3. Il forme avec les eaux les fêtes de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Ici, Bazako expliquait. Niwe, loko la char. Omoni, poto dingara makomi et s'interpréter na yango moko. Que le Seigneur nous bénisse. To linga makomi et s'interpréter na yango moko. Ici, le niwe est présenté comme le char. Or, sokoye na des rois chapitre 2, verset 11 à 12. Natangi, comme il continuait à marcher en parlant, et voici un char. Non, ce n'est pas ça que moi. Oui, un char de feu, 20, et des chevaux de feu, les séparèrent l'un l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Verset 12. Élie regardait et criait : mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Awa, Elisa, Zobenga, Moutou, char. Nous avons compris que le char, c'est tout un homme, c'est un prophète. Attention, Moïse avait besoin de voir Dieu, c'est pour dire que Dieu est invisible.
C'était une façon de dire à Dieu que Dieu, toi qui es invisible, roi, rends-toi visible. C'était une façon de dire que Dieu, toi qui es esprit, koma mutu, pongana monayo. Omoni? C'est voilà pourquoi nous avons un kota na katia niwe. C'est pour dire que niwe zaka char. Or char, ezalaka mutu. C'est un prophète. Ah, nous avons compris que quand Jésus était venu sur la terre, c'est lui la niwe, c'est lui le char. C'est lui le prophète. Attention, pas n'importe quel prophète, les grands prophètes, Luc 7:16. Un grand prophète, nous attend à Bixi, fils unique, il y a Vevwana, un grand prophète nous est apparu. Tu comprends que Jésus, c'est lui qui est le char, c'est lui le grand prophète. Tant que nous avons quitté la carte, il y a Niwe, nous avons dit comme Ganga, il s'est crié vers qui? Vers lui-même, comme Ganga. L'éternel, l'éternel. Yango te dit que ce qui se passe à la croix, c'était la répétition. Yamakambo, c'est le cas. Parce que Nzambe, tant qu'on a quitté Niwe, ami ganga kepa na yemoko. Yango te dit que le corps de Jésus, c'était une Niwe. C'était tout un char. Voilà pourquoi Dieu, dans le corps de Jésus, il priait lui-même parce que Yesu akobonde la mututé. Nzambe, lokola Nzambe, akobonde la mututé, akobonde la yemoko. Moni, Nzambe lokola Nzambe. Akobonde la mutute, akobonde la yemoko. Que le Seigneur nous bénisse. Mupangano moko, aloba eloko moko boye, aloba Nzambe asambe la rate akosambe la nani. Alobe lomo ya marke wana. Bo posons-nous la question. Ce qui Nzambe akosambe la, akosambe la nani, à la manière de Zamba akosambe la nani. Vous voyez? Parce que c'est lui, ou asukisi, c'est lui, le Dieu Tout-Puissant. C'est lui, le Créateur. En dehors de lui, il n'a pas d'autre Dieu. Omoni, il a dit que quand l'Éternel était descendu dans la nuée au temps de Moïse, Ndabanda ki komi gange pa na yemoko l'Éternel et l'Éternel. Voilà pourquoi la Bible dit sur la croix, il s'écria aganga ke pa na yemoko. Parce que Dieu, Abanda ko luka sekou et pa na yemoko. Il était dans ses corps, il s'est prié. Abanda komi bondi le pa na yemoko. Que le Seigneur nous bénisse. Et la Bible nous dit, il a été exaucé à cause de sa piété. Hein? Voilà Hébreux chapitre 5, verset 7. Il a été exaucé à cause de sa piété. Peuple de Dieu, restons fermes dans l'œuvre de Dieu. Quels que soient les combats, quelles que soient les difficultés, restons fermes dans l'œuvre de Dieu. Continuons de prier. Prions, même dans la difficulté. Prions. Jésus, bazo bete ba sete. Bazo continue ko sambela. Bazo loba. Mon Dieu, pourquoi m'a-t-il abandonné? Abandonné ko sambela. Na Gethsemane, abandonné ko sambela. Continue de prier. Un jour, le Seigneur va t'exaucer. Si Jésus-Christ a été exaucé, toi aussi tu seras exaucé. Parce que c'est Jésus-Christ qui est notre modèle. Si il a été exaucé, yo peut ko zala exaucé un jour. Parce que, bazo loba, mon Dieu, c'est pour dire que. Azo bonde la ndenzambe to lobi ke za yemoko aza modèle makambo bande ko lekawana attention Dieu na tout ce qu'il faisait abanda ko pe sabiso pe modèle à suivre parce que c'est lui qui est modèle frère Paul azo lobake soyez mes imitateurs comme moi je suis imitateur de Christ. Cela veut dire frère Paul a mona makambo malamu na kata Christ yango abanda ko imiter biso pe le nous devons imiter Christ. Makambo to monia malam na kata Christ, nous devons l'imiter. Dans la difficulté, dans la souffrance, il priait. Depuis Gethsemane, abandonné ko sambela. A komine kulusu bakangie, a matina croix, il priait. Mon Dieu, pourquoi m'a-t-il abandonné? Ba kriwana Hébreux 5, 7, lui qui abandonné ko lukande secours. Gloire à Dieu, il a été exaucé. Exaucement, c'était la résurrection. Il était ressuscité. Peuple de Dieu, continuons à prier, même si les choses ne marchent pas. Continue à prier, même si les choses se compliquent. Continue à prier. Un jour le Seigneur s'élèvera. Un jour le Seigneur s'élèvera nakata vinayo et il fera de grandes choses. J'aime Job. Job alobaka, mon Dieu est vivant, mon rédacteur est vivant. Il s'élèvera. Il s'élèvera le dernier sur la terre. Il s'élèvera, mon rédacteur est vivant. Ok. S'il vous plaît, Naluka, écriture wana. Eza, Namukanda ya Job. S'il vous plaît, permettez-moi.
soki na komona yango eza na mukanda ya Job ekoki komema biso na makambo ebele parce que écriture tant bozotala yango nde ezofungola pe soki bozo réciter yango na ndenge esengeli nzambe ayebaka na kovisite s'il vous plaît bomema ngai na motema naluka mpenza écriture wana naluka yango ok Job chapitre 24. Je voudrais qu'avec un biret, Nakiti verset 25, mais je sais que mon rédacteur est vivant et qu'il s'élèvera les derniers sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il s'élèvera. Quand je n'aurai plus la de chair, je verrai Dieu. Moni, je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non celle de notre, mon âme, languit d'attente au-dedans de moi. Attention, rédacteur, la résurrection des saints. La résurrection des saints. Ah, pourtant, on a dit que tant que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que un jour, les rédacteurs ont été mis en place. Les morts en Christ résisteront premièrement. Tant que nous ressuscitons, nous sommes ensemble avec nous, les vieux, nous sommes ensemble. Nous sommes quant à la prophétie. Pour Azolo Babé, quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je ne replie de chair, je verrai Dieu, je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non, c'est de notre, mon âme languit d'attente au-dedans de moi. C'est pour dire que tous les saints au Bakoufa, un jour, par la grâce de Dieu, Tokomonaka, le Seigneur. Mais quant à toi et moi, Otoza vivant l'élo, nous devons continuer à prier, car l'exaucement est là. Mes frères, dans la prière, le Seigneur, continuons de prier, et la gloire de Dieu se manifestera parmi nous. Que la grâce, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit accordée. S'il y a des questions, Boutouni, Tokoyebana, pour répondre. Numéro 9, M. Zalip. Plus 243-860-88-75. Deuxième numéro, plus 243-99-88-77-333. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Moussa Nanzambe, Nazana a petit souci, question moko. Nengo lobi que Jésus cria a ganga ki ponaye moko. Alors, tant a ganga ki ba pesie réponse, qui l'a exorcé? Ma question c'est si qui l'a exaucé? Parce que tu as dit que il a crié pour naïe moko. Tant qu'on a gagné pour naïe moko, si qu'on a pas ses réponses, qui l'a exaucé? C'est ça ma question. Que Dieu te bénisse. Ok, merci beaucoup pour la question. Je crois que ça les démarche de tel si on tient une ancienne alliance, que tel sans zambé, tant qu'on a quitté une carte niwe, abandaki nako sambela. En fait, ce qui s'est passé. Et là qui bonzambe la divinité, c'est pour dire que le corps là qu'on appelle Jésus, c'est le Fils, et la plénitude ndezalai katnae le Père. C'est pour dire que c'est le Fils ndabanda qui qu'on s'adresser et pas le Père. Donc nzoto wana ndebanda qui qu'on s'adresser pas bonzambe ou ezalaki na kati. Ah, donc pourquoi bonzambe ou ezalaki na kati? Donc abana ils sont toujours baké nzoto wana ezalaki nzoto wana nzoto ya nzambe nzoto ya nzambe donc ezan nzambe c'est pour dire que nzambe akosambela mtu te nzambe akosambela yemu ku nzambe donc sala ki ba démarche tukenda ki tiko tali san nzambe tango akitaki na kata niwe soko landi bien na pesi on exode 22 tango nzamba kitaki na kata no il se cria donc abana komi ganga po na yemu ku c'est pour dire que abanda ki komi lo ba po na yemu ku. Ouais, na pesi ba démonstration wana je crois na exode 32 donc nzambe babi il s'est crié donc bana ko milobela po na yemoko il s'adressait à lui-même donc Dieu s'adressait à lui-même Dieu hein ça c'est la souveraineté de Dieu et puis il sera exaucé wana siko c'est le père qui exauce le fils exaucé dans le sens que le père qui exauce le fils po ba to bele place wana ba ko ya ko lo ba ke place wana bako ba separaka ke fils azalaka part père azalaka part obso to ebike le fils azalaka ke moi et le père nous sommes un donc ezaka mtu moko eza deux personnes te ok donc tout qui est en instruction c'était aussi un modèle
que le Seigneur voulait nous apprendre de prier. C'est aussi un modèle que le Seigneur voulait nous donner. Yakusambela. Merci beaucoup. Je crois répondre à ce que nous avons. Merci beaucoup.